J'adore faire ces intros à la con. Je trouve ça absolument débile. C'est pas bien. Plus de jeux devraient commencer comme ça, t'imagines? Le début. Bienvenue dans Final Fantasy XV. Ça ferait ça pour tout, tu sais. Street Fighter 4. Tous les jeux qui commencent comme ça. Bethesda Softworks présente. Bordel ciel! Et ça part en sucette totale. Bienvenue dans Totally Accurate Battle Simulator, chers amis. Bienvenue sur Fantasy Games pour encore un petit peu plus de Battle Simulator, évidemment, et de frappage dans la bouche avec des armées du grand n'importe quoi. Alors, dernière fois, nous avions terminé toutes les missions d'histoire. Toutes les missions d'histoire, chers amis. Et nous nous en étions arrêtés sur des combats absolument délirants. Parfait. Ben, c'est parfait, lui. Il est très bien, lui. Voilà. Des combats absolument délirants, chers amis, absolument classiques, dans lesquels nous allons confronter des troupes. Ouais, à la réflexion, c'était pas une bonne idée, en fait. Hein. Remarque, c'est très divertissant. Feu ! C'est métal, hein. C'est métal. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait précédemment dessus. Ça reste quand même hautement qualitatif. Hein. Ne regardez pas ça avant de vous coucher, ça ne fait absolument aucun sens. Et aujourd'hui, nous allons tester donc les différentes classes, mais de manière un peu plus poussée, parce que nous l'avions pas fait. Nous ne l'avions pas fait, hein, chers amis. Par exemple, le mode histoire ne te fait pas explorer pleinement quels sont tous les... Merde. Quelles sont toutes les classes possibles et imaginables, que ce soit les paysans du taekwondo contre les headbutters. Voilà, hop. Entre les pratiquants du je me chie dessus et les pratiquants du coup de boule. Oh, lesquels sont les plus forts? Alors moi je pense que ce serait les headbutters, mais apparemment non. Apparemment non, les pratiquants du jiu-jitsu sont plus forts. Très bien, bah écoute, parfait. Très bien, on le saura. Mais du coup, voilà, ce sont les genres de petits combats à la con que moi j'aime bien. Alors, des samouraïs. Les samouraïs, c'est assez létal contre un maître samouraï. Va y voir. On y croit. Bushido. Oulala. Ce saut périlleux avant absolument parfait de la perfection. Regarde-moi ce maître samouraï. Oh là, mais cet homme qui nettoie la sauce, quoi. Les chariots de Noël, parce que oui, bien sûr, c'est Noël. Donc on va mettre plein de chariots. Ça va être un sacré merdier. Plein de chariots des mecs au bouclier pour se marrer un peu. Voilà, ils ont quand même amélioré le moteur du jeu. Hein. On peut quand même avoir un peu plus de personnages à l'écran en même temps. Ça fait plaisir, c'est parti. Hey ya! Joyeux Noël, enculé! Tu veux tes cadeaux? Avec les traîneaux qui partent en sucette. Et c'est les bleus qui gagnent! Mais c'est chaud comme les traîneaux, ça ne vaut rien. Excusez-moi, je me dois de tester. Les traîneaux, ça ne vaut rien en fait. Hein. Même s'ils sont très bien animés, ils sont formidables. Ouais, voilà quoi, c'est toute la limite de leur habileté. Mais du coup, pour donner quelque chose d'absolument dingue, il faut une armée de gens avec des fusils. Voilà, tu mets une armée de gens avec des fusils. Contre des traîneaux à l'infini, mon gars. Voilà, et là c'est la chasse aux caribous. Ah, je vais peut-être l'appeler comme ça cet épisode, la chasse aux caribous. Parce que là, le caribou, hop, c'est des rennes. Ouais, bah écoute, hein. Des caribous, c'est juste des gros rennes, mon gars. Qui eux-mêmes ne sont que des gros cerfs, hein, faut pas déconner. Bob, ça n'a rien à voir, je suis animanologue, hein. Animanologue, ça veut dire quoi, ça, hein? Ça veut dire que t'as voulu être vétérinaire, mais que t'as échoué. Voilà, Billy, on y va. Ouah. Feu. Ils ont même pas pu ouvrir le feu. Ils ont rien pu faire, ils étaient... Psychologiquement, ils étaient vaincus. Tu vois, déjà avant même que ça commence. Donc on va les répartir un peu mieux. Ouais, par contre, on va en enlever un peu, c'est sûr. Voilà. Voilà, c'est parti. Là, on y croit. Feu. La nuit des rennes vivants, quoi. Regarde-moi ce bordel. Et n'empêche, il reste pas beaucoup sur le terrain. Ah non, quand même, ils se sont fait emporter, hein. Ça ne les a pas sauvés. Vraie question du coup, si on met quelques barils,
quelques canons. Et des vikings un peu répartis de manière intelligente, c'est parti. C'est Verdun, mon gars! Ben, joyeux Noël, mon gars. Ah putain, on va rajouter, tiens, c'est pas mal les tonneaux qui explosent. Je me demande ce que ferait un maître samouraï et deux wacha. Histoire de voir si ça peut pas réduire un petit peu les troupes en face. Parce que, en fait, non, ben, les chariots, c'est balèze, mais que quand il y en a plein. Mais genre plein, tu vois. Genre plein à la violence de chez plein, quoi. Allez, c'est parti. Ya! Oh putain! Le lag, les explosions! C'est Terry Crews en fait! Il y en a encore un qui est là! Oh! Oh! Stylé! Putain, quel merdier! Quel merdier! Il y a encore un croisé sur le terrain! Il y a encore un canon sur le terrain! Deux canons sur le terrain! Oh là là, victoire des bleus, mon gars! Victoire des bleus, il y a quand même un respect. Il y a quand même un respect, il y a quand même un respect. Bon, ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de troupes en face, évidemment. Ouais, ça a commencé à laguer, je sais que ça lui plaît pas, mais une fois que ce sera lancé, ça ira mieux. C'est parti! Allez, ça va mieux. Oh là là, ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Il n'y a plus de bruitage, il n'y a plus rien. J'ai fait planter le jeu, mon gars. Il y a trop de... Oh putain, mais quel merdier. Quel merdier qui ne veut absolument rien dire, quoi. Oh là 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 là, cet océan de mort et de destruction. Bon, nettoyage. Nettoyage. Voilà, c'est bon. On va faire ça proprement. On va faire ça proprement. Des fermiers et contre des barbares. Les fermiers ont deux fois moins... Les fermiers ont deux fois moins de points de vie que les barbares, mais attaquent deux fois plus vite. Alors on va en mettre pour 1500, ça m'a l'air pas mal. Oups. Voilà, pas mal. Allez-y. Donc on y croit. Fermier contre barbare. Les barbares ont deux fois moins de points de vie mais attaquent deux fois plus vite. Les fermiers ont deux fois moins de points de vie mais attaquent deux fois plus vite. Les barbares attaquent deux fois plus lentement mais ont deux fois plus de points de vie. Il n'y a plus de son, hein. J'ai tout fait bugger, mon gars. J'ai tout fait bugger. Par contre, ça s'en met dans la gueule. Ça s'en met dans la gueule, ça s'en met dans la gueule. Hein. Je vois quand même une domination claire barbarique. Oh là là, il l'a empalé, il le traîne. Wouah, vas-y, sauce-le. Wouah, il n'y a plus de son. Hein. Je vais gérer ça juste après, chers amis. Et il en reste un, il est coincé. Très bien, bah écoute. Est-ce que je peux faire revenir? Option. J'allume tout ça. Voilà, je le remets. Hop. Si je mets un niveau, par exemple. Non, c'est bugué. Bon, bah écoutez, je vais réparer ça. Je reviens tout de suite. Hop. Voilà, on est revenu. Tout va bien. Mes excuses. Donc, on peut reprendre. Alors, des barils. Déjà, les barils, j'aime bien les barils. Toujours mettre un peu de baril à gauche, à droite, chers amis. Pourquoi, Bob, tu mets des barils? Parce que ça explose et que c'est extrêmement métal, hein, il faut le dire. Ensuite, j'aime bien, je vais mettre un peu d'armée de boucliers ici avec quelques lanciers. Voilà, c'est pas mal ça. Et même d'autres boucliers. Petite armée romaine. Quand petite armée de croisés de Babylone. On va mettre des archers en face aussi. Des archers en face, quelques voleurs, mais on va les mettre un peu loin. Genre, on va les mettre là, tu vois. C'est juste plus pour faire chier qu'autre chose. Là, c'est les Grecs, mais les Grecs vont être aidés par des boxeurs. Voilà, un gang de boxeurs qui sont venus. Je vais mettre un Chicken Man de ce côté-là. Chicken Man qui a 500 points de vie. Et pour aider nos amis, je vais mettre des barbares. Un peu de paysans de ce côté, pas beaucoup. Juste des paysans de merde hein, qui valent rien. Suivi de fermiers, voilà, c'est très bien.
derrière au milieu de ça, petite armée de lanceurs de javelots. La petite armée de vikings. Encore d'autres, puisqu'apparemment, il manque du score. Voilà, et enfin, bien évidemment, le plus important, des chariots, mon gars. Voilà, ça m'a l'air à peu près égalitaire. C'est parti, battle ! Baston, les gars ! Oh ! Ça commence ! La guerre est totale, les flèches sont tirées. Les chariots chargent les ennemis. Le merdier est total, il reste un baril. Oh ! L'homme poulet survit. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait, il se masturbe contre un arbre. La bataille est totale. Très bien, il continue de tirer des flèches contre un vieux barbare qui traîne encore. C'est bien ce que je pensais, les bleus sont trop forts. Il se fait attaquer par des poulets. Voilà, c'est bon. Les bleus sont juste trop forts. Très bien, pas de problème. On va virer peut-être un peu de chariot, parce que c'est vrai que ça fout quand même pas mal la merde. On va en laisser 4 de chaque côté. Ça m'a l'air honorable. Voilà. 4 là. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. On est en train de se préparer à une petite assaut, mais les enfants, ça va bien se passer. Alors, 4 là. Ils ont trop d'archers, donc on va mettre un peu plus d'archers ici aussi. Voilà. Puis j'aime bien les archers, j'aime bien quand il y a des flèches en fait. Plus d'archers. Puis on va mettre des lanceurs de javelots aussi, parce que c'est bien. C'est bien ça. Ça m'excite. Voilà, on va rajouter un peu de vikings à gauche. Ou à droite. Oh, il y a déjà de vikings à droite. On va rajouter un peu de vikings à droite. On va rajouter des croisés. Trois balistes. Ah, t'as été mal placé celle-là. Voilà. Trois balistes, pas de catapulte, encore un peu d'archers. Mais ça, c'est juste pour la forme. Et un watchat chaque côté. C'est parti. Oh là, ça va doser. Oh là, ça va doser, les enfants. Ça va doser, ça va doser. Oh, ça dose déjà. La bataille est totale, les explosions sont ahurissantes. Les croisés avancent, ils progressent parmi les flammes. Et je dirais que pour l'instant, les rouges ont un avantage plutôt clair. Même si c'est pas encore décidé là-bas avec toutes les flèches et les putains de tirs de balistes de bâtard qu'elle fait. Elle a tiré ? J'ai pas vu où il a tiré. Ah, et c'est pas encore déterminé, hein. C'est pas encore déterminé, c'est pas encore déterminé. Apparemment, eux sont en train de se révéler leur amour complètement bromosexuel en plein milieu du champ de bataille. Veux-tu danser la carioca? Arrêtez de danser le cha-cha-cha, les mecs. Et s'il vous plaît, quand vous aurez fini de faire une valse, vous pourrez peut-être vous intéresser au champ de bataille total qui est assez égalitaire. Hein. Assez égalitaire comme champ de bataille. Hein. On va nettoyer, on va tenter un autre truc. J'aime bien les archers. C'est pas mal d'archers, ça. Deux balistes en plus. Une catapulte de chaque côté. Une ligne rangée chacun. Deux vikings, enfin deux croisés. Voilà, c'est parfait. Et c'est parti. Oh les flèches. J'aime voir les flèches partir comme ça. Moi je trouve ça cool. C'est un des trucs que j'aime le plus quand je joue à Mountain Blade ou ce genre de truc comme ça ou autre. C'est les milliers de flèches que tu peux voir voler au fur et à mesure au fil de la bataille. Ça rend juste tellement bien. Mais là pour le coup j'avoue ils tirent un peu plus au pif là. Ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'est parce que je les ai pas assez groupés. On va tenter de les grouper, chers amis. On va tenter de les grouper.
Je sais que c'est des batailles qui servent à rien, chers amis, c'est juste pour voir des gens qui se tapent dessus, mais ça donne des situations marrantes. Prenons juste 1 million d'archers. Voilà. 1 million d'archers, mais genre... Genre tous les archers de la planète, tous en même temps. Et en face, je veux Donald Trump. C'est parti. Vas-y. Tu vas construire un Great Wall. Parce que personne ne fait les murs mieux que toi. Oh là 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 là, mon gars! The wall just got 10 feet higher. Ouais, bon, il a pas tenu. Il a pas tenu. Il a pas tenu. Ce qui se comprend. Mais face à 3 Donald Trump. Oh! C'est parti. Est-ce qu'ils auront le temps d'ouvrir un peu le feu avant que ça commence ou pas du tout? Oh là 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 là. Ils ont le temps d'en abattre quelques-uns, mais ça va juste trop vite. Ça va juste trop vite. Ça fera toujours marrer, ça. C'est complètement débile. Ils ont tellement bien pensé à les rajouter, c'est juste absolu. Et du coup, ouh, fais voir des Hillary pour voir. Il en faut 3 aussi, mais je doute qu'elle puisse les atteindre. Mais si elle y arrive, tant mieux. Si ça passe, oh là là, ça tire, mon gars. En même temps, bon, ça tire les emails, mais ça passe pas. Oh là 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 là, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Le massacre est total. Le massacre est total. Si on met des mecs au M16... Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont que 100 points de vie. Hein. C'est-à-dire, ils se font toucher par une flèche, c'est fini, quoi. Ah non, évidemment. Évidemment, 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 ça ne peut pas se passer aussi bien qu'on l'aurait pensé. Chicken Man, M16, super boxeur. Je me demande ce que vaut le Dark Paysan. Allons-y. Le Dark Paysan est vraiment trop fort. Je pense que lors d'une prochaine vidéo, on tentera plusieurs stratégies pour vaincre le Dark Paysan. Quoique, il me semble que c'est une stratégie qui a l'air de marcher, hein. Vu qu'il ne peut absolument pas progresser. Oh là 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 là. Et il s'est fait, mais massacrer. Il s'est fait massacrer, il s'est fait massacrer. Maintenant, vraie question. Si le Dark Paysan est protégé par des barils... Oh ! Non, il n'arrive pas à approcher suffisamment pour utiliser sa magie noire sur les archers qui, bien évidemment, le saucent. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'idée. Tout va bien. Dans ce cas-là, il faut rajouter peut-être quelque chose de... Putain, Chicken Man Man, 40 000. Oh. Vraie question, parce que si le Dark Paysan est trop faible pour eux, est-ce que le Chicken Man Man, qui pond des Chicken Man... Et si on le met au loin, comme ça? On le met au loin et on commence. Oh, le Kaiju. Je rappelle, c'est un Kaiju qui pond des hommes chicken, qui eux-mêmes... Enfin, qui pond des hommes poulets, qui eux-mêmes pondent des poulets. Donc comme vous pouvez le voir, même s'il commence à lui tirer dans la bite, voilà, je vais faire une caméra queue. Voilà, si vous êtes la bite du Chicken Man, c'est à ça que ça ressemble. Hein. Comme vous pouvez voir, sa sauce. Ah, et s'il meurt, il considère que les rouges ont gagné. D'accord, c'est bon à savoir ça. Ok, très bien. Bon, on peut tester un dernier truc. Le super paysan... Vitesse attaque 001, t'as un super paysan qui attaque tellement vite. Si on met 3 ou 4 super paysans, est-ce qu'ils passent? Ou est-ce que les flèches les repoussent suffisamment en fait? Ah oui, parce qu'ils volent. Donc forcément, comme ils volent, ils vont. Marc, il les touche et il les tue. Hein. C'est. Oh, les machins, c'est des détraqueurs. Hein. Oh. Ah, les archers en stress. Hein. Oh là 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 là. J'avoue, ça fait le ménage. J'avoue, ça fait le ménage. Ouh. Ça bourre. Ça bourre. Je me demande s'ils arriveront à en buter au moins. Je pense qu'en concentrant leur feu, oui, mais... Putain, les machins, ils volent, ils veulent rien dire. Oh là là, sa sauce, hein. Bah non, il les bouffe un par un, c'est fou, hein. Ils sont vraiment très très forts, hein, les super boxeurs. J'annonce,
Super Boxer, ça déchire un petit peu tout, chers amis. Hein. En même temps, 10 000 de santé, 1000 de vitesse. Non, attends, c'est pas celui-là, c'est Super Paysan, c'est ça. Truc qui vole. Super Boxer, ça m'a l'air beaucoup plus équilibré tout de suite, fais voir. Ouais, parce qu'il marche normalement, tu vois, et puis il se fait sauter. Enfin, il se fait saucer par toutes les. Par toutes les flèches, ouais, non, ça fait du sens, ça fait du sens. Par contre, chez les Vikings. Alors, je sais que je surcharge un peu la dose. Mais c'est juste pour voir un peu. Waouh, non, ils se font tomber trop vite. Par contre, c'est intéressant du coup. C'est intéressant du coup, c'est intéressant. On peut terminer là-dessus, chers amis. On peut terminer là-dessus avec le fameux lanceur de javelot. Voilà, lanceur de javelot pour recouvrir genre toute la planète. Jusqu'à ce que ça commence un peu à laguer, tu vois, à lagouiller. Voilà, ça commence un peu à lagouiller, ça commence à plus lui plaire, très bien. Et là, c'est là que c'est drôle. Oh là 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 là. Oh les polygones, oh ça lui plaît pas mon gars. Oh ça lui plaît pas. Oh ça lui a pas plu, attends, j'en vire peut-être un ou deux. Histoire de libérer un peu de mémoire. Allez, allez, mais non, barre-toi, arbre de merde. Arbre de merde, t'es en train de niquer ma vidéo, tire-toi. Tire-toi, toi et ta famille. Ils t'ont jamais aimé. Voilà, excellent. Excellent, excellent, excellent. On peut virer un peu de troupe. Attends, il faut que je vire d'abord ça, parce que sinon... Voilà, ça y est, ça y est. On peut en virer un peu. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Et c'est parti. Oula, dès le début, ça part en sucette, mais c'est brave. Ouah. Joyeux Noël. Joyeux Noël, enfoiré. Drelin, drelin, fils de pute. Ouah. Il y a une tête de daim qui est partie au ciel. Une autre. C'est magnifique, hein. Ah, ils les chassent, les machins. C'est un peu la violence, hein. Bon, on va pas terminer là-dessus. On va essayer quand même de trouver quelque chose qui colle. Je vais dire ça. Voilà, ça y est. Quelque chose qui colle, qui rendrait bien, si possible. Voilà, et là c'est Pacific Rim. C'est parti. Voilà, on termine sur Pacific Rim. Sur ce, merci chers amis d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Merci éventuellement pour les pouces bleus, les cloches et les... Oh, les tirs de lance dans la bite. Ça c'est beau ça. Vas-y. Vas-y. Wow. Putain, il bouffe, hein. Il bouffe, il bouffe, il bouffe, hein. Par contre, ça y est, ça commence à libérer des hommes poulets sur le terrain. Les poulets commencent à attaquer, il y a déjà des morts. C'est Pacific Rim, mon gars. Ouah. Tout ceci ne fait absolument plus aucun sens. Le lag. La vidéo est en train de mourir. La texture est en train de crever. Des bisous, chers amis. Merci infiniment et à la prochaine. Ah.